Et salut à tous, c'est JM, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à la Foodalos. Dans cette vidéo, vous allez nous accompagner jour après jour dans toutes nos aventures. Allez, c'est parti! Et voilà, premier jour à la Foodalos et on mène la petite souris à la crèche. Et là, petite souris, t'es à la crèche? Ça y est, on a laissé petite souris à la crèche et là on va partir avec Bibounette faire du ski et du Juneur. Hein? Quoi? Une petite pause photo tranquille, au calme, dans les arbres. Et ça y est, la matinée du premier jour est quasiment finie. On fait une dernière descente et puis après on va manger. Steak frites. Steak frites. Voilà, on va manger juste là-bas. Voilà, un restaurant qui est juste là. Ici. Mademoiselle, vous êtes. Votre repas est prêt. Et voilà, ça y est, on a fini de manger, on a fini le petit dodo et là, on retourne sur les pistes. Bon, apparemment, comme ça, je suis pas très beau. C'est vrai? Et le Juneur, c'est fini. Là, on va récupérer la petite souris à la garderie. On va lui faire essayer les chaussures de ski et les skis. Et demain, on va commencer à lui apprendre le ski. Et voilà, première fois pour Clara sur des skis. Voilà, c'est la fin du premier jour. On a fait du ski, du Juneur. Clara était à la crèche. Et puis là, eh bien, Clara vient de faire ses premières minutes de ski. Ça t'a plu? Oui. Demain, la suite des aventures. Et voilà, on attaque le second jour. Là, on fait un petit déjeuner en famille. Et puis après, on va aller faire skier la petite souris. Les débuts de Clara, pas encore 3 ans. Les débuts sur des skis. Oh, t'as fait du freestyle! Clara a commencé le ski donc hier en fin d'après-midi. Elle se débrouille très très bien. N'est-ce pas? Ça te plaît? Elle a pas peur, elle se régale. Ouais! Ouais, la freestyleuse! Oh, la classe! Bon voilà, ça y est, plus faire du ski. Mais bon, c'est normal, les enfants qui ont vers les 3 ans peuvent se concentrer et apprendre à faire le ski entre 20 et 25 minutes. Donc voilà, donc franchement là, elle a fait de très beaux progrès. On va rendre les skis de la petite souris. Et voilà, ça y est, on vient
partir petite souris à l'ESF au forfait boule de neige. Et là on part pour une petite rando. Voilà. Et petite souris est belle, donc. Allez, c'est parti. Oh, la phase rando là, ça commence à être compliqué avec une petite souris qui pèse 13 kg. C'est dur. Ça, pas trop dur pour toi? Ça va. Allez, fin de journée et un petit chocolat chaud en famille au bar à l'étoile. Et voilà, c'est la fin du second jour. Et à demain pour de nouvelles aventures. Troisième jour à la Foud à l'Os. Là on s'est levé, on va aller au marché donc de la Foud qui est au centre du village. Et on va dire que la météo franchement est top. On a un ciel très très bleu, il fait hyper chaud. Regardez. Très très bonne météo. Magnifique. En famille au restaurant L'Igloo à la Foud à l'Os. Quatrième jour à la Foud à l'Os et ce matin on commence par faire de la luge. Et dernier jour à la Foud à l'Os. Donc ce matin au programme, une petite randonnée en famille pour profiter du beau temps. Et puis après à midi, cours de ski pour la petite souris dans la catégorie boule de neige. Tu es contente Clara? Première étape dans la randonnée, franchissement d'un pont avec une pente assez sympathique. Je pense qu'il peut y avoir une chute. Voilà, ça y est, petite souris est au village des enfants et elle va commencer l'initiation ski. Et voilà, ça y est, départ de la Foud à l'Os. C'était de super vacances. En tout cas, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous allez autant apprécier que nous ces merveilleuses vacances en famille. Et voilà, là c'est direction Arles, retour à la maison. Ciao ciao tout le monde!